Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'attends l'infirmière parce que je vais faire un test antigénique avant de partir. Normalement, je suis censée retrouver à l'axe des amis pour pouvoir aller skier un peu. Mais bon, vu que je viens de sortir de quarantaine, j'espère que je vais pouvoir qu'il va être négatif pour que je puisse aller m'entraîner à l'axe. Du coup, j'espère que ça va le faire. Et après, ben, on fait les affaires et direction du coup l'axe. C'est plus une bande de freeriders cette fois-ci que de freestylers. Mais c'est cool de changer un peu de groupe et c'est plus en mode trip entre potes. Donc voilà, j'attends les résultats de l'infirmière et on croise les doigts pour que ça soit bon. Ça y est, du coup, l'infirmière elle vient de passer. C'est négatif. Du coup, trop contente. Je viens de terminer presque les bagages et en avant Guingamp. Je me change et... c'est parti, direction l'axe. Salut, donc c'est le matin, ça y est, on est bien arrivé à l'axe. On loge au Rider Hotel, un hôtel à l'axe qui est trop cool. Putain, ça fait du bien genre de, tu sais, d'être dans un hôtel et te laisser faire quoi. Genre le petit déj ce matin, il était... mais non, ça fait trop du bien d'être dans un endroit où, bah, un peu les vacances quoi, et en même temps on va skier avec une remontée mécanique, tout ça c'est cool. Ce matin on a fait un peu de yoga, on a pris un bon petit déj et tout, et là on va pas tarder à se préparer. Puis direction l'endroit où on achète le ski pass, et on va passer du coup toute l'après-midi au parc, et ça va être trop cool avec tous les potes. Du coup voilà, j'espère que je vous amène avec moi, et c'est parti. Ça va? Ouais, ça va, ça a tapé le genou. Ça te transporte pas? Un petit peu, mais pas ouf. Avec ta non, avec nos potes, tu vois, on va à Genève, se claquer des petits concerts classiques. Mais non, c'est vrai? Ouais, ah, putain, tu vois. Et vas-y maintenant. Et Malikante. Ah putain, ça pourrait presque aller les deux ensemble. Avant de laisser sa pote pâle, je vais voyager. On s'est rencontrés là, c'est Alicante. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Quelle mamie fait peur aux voleurs? Ma mitraillette. Ma mitraillette. C'est terminé, maintenant petit thé, un bon chai latte comme on aime, après le ski, une bonne douche, ça fait du bien après cette quarantaine. Et normalement ce soir on a commandé pad thaï et tout, et on va recevoir, et comme ça on va manger tranquillement. À l'ancienne, on y va mon bêtige. Allons-y les amis. Anna. Ah.
voit pas grand chose. Hein. Mais bon, c'est plutôt fun, on est au ski. Et on est en train de remonter avec un téléski. Ça m'avait manqué. 2 semaines et demie de quarantaine. Et me revoilà sur les skis. Enfin. Alors nous sommes ici en entraînement freeride. On atteste le masque sur le casque. Attention. Donc voilà, par cette belle journée, avec une grande visibilité, nous allons nous entraîner à ressentir les choses. On va skier au feeling. On ne voit rien, on ne peut pas prendre les tables. C'est la journée du feeling, mon ami. Et tu vas faire du. Et toi tu vas faire du freeride dans la mecque du freestyle. Exactement. Moi j'ai fait ma transition. Et encore j'ai pas mes skis de rando. Hein. J'ai transitionné un peu cafiste. Putain, on l'a perdu. On l'a perdu. On voit rien. Petite vélo pour la récup avec Cocotte. Bon là, les écouteurs, donc elle m'écoutera pas. Elle va tomber en plein gainage, sinon je vais arrêter de la déconcentrer. Après, on va manger des bonnes petites nouilles, un bon truc asiat. Ça, c'est chouette. Et quoi, journée bien passée, juste beaucoup de jours blancs. Mais grave cool de pouvoir descendre jusqu'en bas et tout. Ça fait les couesses, hein. Je vous assure, ça fait la couesse. Allez Cocotte, jusqu'au bout. Allez! Encore! Ciao! Ciao, bambino! Elle est en train de nous faire un TikTok, elle toute seule. Ça va le TikTok? Qu'est-ce qu'on attend? On attend Coco qui est en train de nous faire une danse TikTok. On dirait un enfant de 10 ans. On va skier aujourd'hui. Il a vraiment fait une bêtise, mais des fois, je crois qu'on boit le thé et le café. On reprend le café et après le thé. Et après, si on n'a plus, on reprend encore un café. Et là, aujourd'hui, c'est le cas. Le dernier jour de ski, franchement c'était trop bien, trop nul que ce soit le meilleur jour, grand beau quand on part, mais bon, ça fait partie du jeu. Et on a dû partir rentrer vite parce que du coup il fallait qu'on libère les chambres et on a de la route derrière, genre 5 heures jusqu'à Annecy, et moi d'Annecy j'ai encore 2 heures de route, donc voilà quoi.
On va arriver tard. Mais franchement, trop bien. Là, on va aller chercher la petite voiture pour pouvoir tout mettre le matos à l'intérieur. On va être encore chargé parce que je ramène deux autres personnes, pas les mêmes qu'à l'aller. Ils partent au Freeride World Tour derrière. Et moi, nous, on rentre. Et ils ont beaucoup de matos. Les abordés. On package. Tout droit rentrer. Pour l'instant, trois paires de ski, un snow. Faut encore le snow surf. Ça, on va plier ça. Les affaires d'Anaïs. Je pense qu'on est good dans la petite C3. Ça y est, je suis rentrée à la maison hier soir. Du coup, ça y est, le trip est terminé. Trop dégoûtée, mais en même temps, c'était vraiment, vraiment trop cool. J'espère que vous avez pu voir à travers la vidéo comment c'était bien amusé. Et que ça fait du bien d'avoir des remontées mécaniques ouvertes. Donc du coup, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle. Bisous.